Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice, bienvenue pour la suite, enfin, et le début du dernier épisode de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation, ou Benjamin Hunter, dans la langue de Molière. Nous avions fini la dernière fois tout l'épisode qui retraçait un petit peu les débuts du détective, le Yatai Galazu et les débuts de Kai Faraday. Et nous allons commencer donc la dernière affaire. Techniquement, c'est la dernière affaire, vu que les DS ont 5 affaires, normalement. Du coup, épisode 5, la volte face enflammée. Et c'est parti. Waouh! Oh la vache, comment c'est tellement bien amené! Oh. Et donc, du coup, nous revenons dans le présent actuel, c'est-à-dire que tout ce que nous avons fait était dans le passé. Là, nous sommes dans le présent approximatif, c'est-à-dire 8 heures avant l'incident. Mais nous sommes dans le présent. Et donc, tout va bien. Benjamin Hunter finit de se remémorer les souvenirs de souvenirs. Il boit un thé. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement plaisant, non, faut pouvoir se détendre. Tu m'étonnes! Eh oui! Après le tumulte de ces quelques derniers jours. Ah bah tu. Oui! Alors, entre. Un merde dans ton bureau. Ton retour de l'avion. Et bah voilà. C'est ça. C'est tout. Après, il y a les souvenirs et tout ce qui va avec. Ah bah tiens. Il y en a, voilà. Un agent d'Interpol dans l'avion. Ah, c'était le lendemain? Ah oui, c'est vrai, moi j'avais cru que c'était plusieurs années en arrière. Donc le gay Twitter, le meurtre d'inspecteur en retour, et dans un voleur mystérieux, tellement mystère, qu'il s'appelle sans doute Martin. RT, si t'as compris si t'as compris la référence, et que tu es vieux, très vieux. Oh ben, écoute, va demander ça à ton pote Phoenix Wright. Vous avez des points communs comme ça. Moi, je peux pas t'aider. Lolli, la LMDR. Oh bah tiens. Sa cameraman. Ah non. Notre ami Kai Faraday. Ah mon Dieu, il se passe des choses. Je suis devenu majeur. Dans le thé que je viens de boire. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, ah, je ne t'ai pas dit non, tu me racontais des souvenirs, c'est vrai. Dis au moins 15 ans. Il était derrière moi, il y avait un super pistolet. Enfin, je l'ai pas vu, mais je l'ai bien senti. J'espère que c'était un pistolet, par contre. Et oui, parce que sinon, c'est trop tard. Rien. Ah non, jamais. Ah bon? Attention. Une coupure du journal.
Ouais. Eh ben, c'est bien, et donc? Incroyable. Ah! Ah bah juste, ah bah c'est bien. C'est une bonne nouvelle, au moins on n'entendra pas. Oui, enfin. Oh! Moi j'ai pas fini de boire mon thé. Laisse-moi m'en poser un peu. Ne serait-ce pas pour continuer et le scénario, l'ambassade du Zengfa. Ce serait fou que ce soit celui-là. Ah, parce que je connais un mec qui vient du Zengfa. Il est énervant. Et oui, souvenons-nous. C'était il y a longtemps. Oui, évidemment, moi aussi j'ai lu le manuel du Yatagarazu, je sais comment ça fonctionne. Oui. Oui, évidemment, c'est ce qui te rend génial. Le truc. Et ouais, et c'est fou ça. Ouais. Est-ce que j'ai le choix? Cette carte est drôlement colorée, dis donc. Ce n'est pas la même couleur, je savais que je n'étais pas daltonien. Bah regarde. Ah bah oui, intérêt, son... Cette carte n'est pas de la même couleur, c'est franchement étrange. Il y a 17 heures, waouh, le temps passe vite en ce moment. Pas convaincu. Cette série devient vraiment n'importe quoi. Oh là là, il y a du monde. Ah là 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 là. Oh, ça va être long. Ça va ramener du fion. J'en sais rien. Waouh. Quel titre incroyable. Oh. C'est un bon début, une zone neutre dans un bâtiment. Pour commencer, après ce sera sans doute le bâtiment. Puis peut-être une ville, on sait jamais. Ou bien un quartier pour commencer. Dalabast, Daléam, Dalbast. Waouh. C'est une magnifique pseudo-couronne de laurier, mais des feuilles de je ne sais pas quoi. Et ça, c'est moche. Des babales. Waouh. Il y a des noms incroyables comme ça. Non, jamais. Bah oui. Évidemment. Tu en doutais encore. Waouh, c'est long.
Oh, c'est beau de Codopi. Ça me dit un truc, Codopi. Est-ce que je dois connaître? C'est un détail qui ne trompe pas. C'est un papillon, t'es sûr? Ah oui, papillon fleur. Oui, évidemment. Je le savais. Je l'ai toujours vu. C'est le détail qui me ne trompe pas. Et oui, la queue de pie. La... Oh, des... Il y a des trucs comme ça. Il y a des petits indices qui relient des affaires entre eux. On n'y pense pas assez. Non, on n'y pense pas assez. Et c'est dommage, quelque part. C'est dommage et on aimerait évidemment que ça n'existe pas. Voilà. Parce que c'est pas très très gentil. Alors. Non, c'est faux. C'est pas moi. Mais je ne te zappe pas tout de suite. Et alors? Bah, et alors? Hein? Ça explique tout. Waouh! De Primidux! Oh! Je dis, là, ça, on dirait un item nul de Super Sentai! Oh là là! Oh là là! Ah, on bouge. Oh, bonjour. Bonjour. Eh bien d'accord, très bien. Oh, calme-toi. Bonjour. Bonjour, monsieur. La fille. Ah, mais. Un bide. Parce qu'il est gros. Il... Oui, c'est drôle, mais pas mes blagues sont drôles. Bonjour, madame. Oula, non, mais arrête de parler. Non, tu. Non, arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler. Arrêtez de parler! Comment on arrête? Comment on arrête? Comment on arrête? Je regrette. Merci. À moins de dire que le Ninjabili est une grosse merde. Non. L'angle. Un angle à 45. Oh, une équipe de télé. Bonjour, madame. Non mais écoute, hein, les gens, les caméras... Hein, je reconnais ce personnage, il me dit vaguement quelque chose. L'ai-je sans doute vu dans le passé, le passé, le passé. Ça me dit comme quelque chose. Ah, je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à m'en souvenir. Ah là là, sans doute, l'ai-je oublié. Bonjour monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes?
Non, c'est... Non, ça ira. Oh, c'est très gentil de ta part, mais non, je t'assure qu'il n'y a rien qui... Ma vie va bien, je n'ai pas envie de m'installer dans votre pays. C'est pas contre vous, mais... Mais oui. Oh, oh, tu te calmes. Tiens, on va parler à cet enfant. On va parler à cet enfant. Il a du mal à chanter, cet enfant. Faudrait peut-être le piquer. Bon, et toi, caméraman? En venant. Ah, sans doute que oui. Allez, essayez de faire un travelling à la main. Bon, eh bien, c'était cool. Waouh. Ok. Ah, on voit bien la séparation entre les deux ambassades. C'est une belle séparation. Ouais, on sait jamais, ça peut sans doute être utile. Au cas où je me perds. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah mon dieu ! Ah mon dieu, il est là ! Ah, il a un fils maintenant. Il y a trop de gens, j'arrive pas à marcher. Bonjour, c'est moi, il est scié. Oh mon dieu, quel acteur! Non, c'est un acteur. Ah, oui, c'est un bon acteur. Combat le regard, c'est Miss. Oui, pour monsieur. Pour monsieur Hunter, c'est moi, il est scié. J'ai pas combien de nouveaux vieux de petit. Oui, d'accord. D'accord, alors comment il sait comment je m'appelle? Déjà, pour commencer. Ouh là là. Ok. Oh là là, c'est incroyable. Il y a trop de monde dans cet écran. Je ne supporte pas, il va casser. Ça y est, c'est fini. C'était... Ouais. Le ninja Billy. Oh. Est-ce qu'il va encore mourir, Billy? Oh mon dieu, c'est trop bien. Oui! C'est exactement ce qu'on vient de dire. Espèce de sourde! J'ai le choix? J'ai pas le choix? Évidemment, j'ai pas le choix. Sinon, t'achètes le DVD. Voilà. Petit DVD. Ah, tribunal? Ah, presque! Ah, c'est fini? Putain, l'arnaque, le spectacle, il a duré 30 secondes. Ah là là, c'est vrai que cet acteur a pris des cours de comédie pendant des mois, voire des années avant de maîtriser ses gestuels, cette voix. C'est un bâton. Une baguette pour cheveux. Une baguette. Très bien. Eh ben va t'acheter, t'as déjà une clé dans les cheveux, c'est une clé dans les cheveux, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, mais... Totalement. Ah ouais? Ah bah vas-y, montre-moi que t'avais raison.
Montre-moi que t'avais raison. Mais... Ah oui, mais il n'y a pas les mêmes couleurs. Oh mon dieu! Regarde, la police! Oui. Qu'est-ce que pourquoi? Vite! Elle casse la gueule. Ah non. Elle casse des gueules! Là, je viens de dire un truc intéressant, c'est que... mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Bon. Non, je crois qu'elle aurait rien à foutre de toi. Et nous, on fait tout le tour, parfait. Un plan incroyable. Waouh. Ah, putain. Qu'est-ce que c'est-il? Elle est... Oh, oh bah... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est-il? Ah ouais, c'est... Violence! Genre... C'est un bon gros incendie. Et nous sommes donc le 12, 13, 14. Nous sommes 2 jours plus tard. C'est bon, je suis arrivé. Le feu s'est éteint tout seul, c'est chiant. Il s'est fait arrêter. Non. Bah non. Salut. Ah bah... C'est ça. Ah! Mais ne serait-ce pas l'ambassadeur de... L'ambassadeur du pays dans lequel nous sommes? Enfin... À moins que c'était Jean Kestou, j'en sais rien. Sans trop, c'est lui. Et ensuite, paf! Oh, 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 génial, on va retrouver le loup du Zengfa. C'est cool. Voilà, exactement. Le salaud. Mais par contre, elle parle! C'est fou! Ouais, continue de rien dire. Oh, elle va enlever ses bras. Ah mon dieu, elle a des yeux! Et pourquoi non? Elle a pas tort. Elle a tellement pas tort. Ah ben non, on est dans une ambassade. Au con. Les ambassades, c'est pas super chiant, mais c'est un petit peu quand même. Nous sommes à Babal. On est directement du gouvernement de Babal. Et Babal, sérieusement. Oh là 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 là. Et c'est chiant, on apprend des trucs avec la série d'Alice Saturnet. C'est pas mal, mais amenez-les mieux parce que ça pique. Extraterritorial. Scrabble. Mot contre triple, avec lettre contre double. Ah bah c'est sûr que si. Ah bah c'est... J'ai pas le choix. Non mais j'ai pas le choix. Oh. Qui vient de gueuler? Ah mon dieu, ne serait-ce pas... Au choix,
Lang qui est devenu gentil. Deuxième choix, notre chère sœur, entre guillemets, Van Karma, Francesca. Soit, scénario. Oh bah tiens, mais c'est Francesca. C'est incroyable. Oh, c'est fou. Je l'avais pas deviné. Ah! Pas la haine. Jean, ah bah c'était. Ah bah j'ai reconnu ces gens qui se tout. Et puis. J'ai beaucoup trop coopératif. Tu te fous de moi en fait, c'est ça. Non mais dis-le que tu te fous de moi. Oui, j'ai pas les droits, fous-moi la paix, tais-toi. Bonjour. Est-ce qu'elle vous a forcé avec un fouet? Par hasard. J'ai pas le choix, ferme ta gueule. C'est un plan, c'est un plan. C'est du bluff. Oh putain, il est beaucoup trop aimable. C'est du bluff, ta gueule, t'amènes pas de ça. Expression île, expression île. Hey! Oh! Oui, oh, subalterne. Ça va. T'es en position de force une fois dans ta vie. Va en profiter. Allez, 3 jours max. Je te conseille de t'en souvenir. Oh, c'est parti. Ah oh, oui! Vite! Ah oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? C'est une bonne question. Oh là là. Oh, c'est fou, on se croit à 7 ans en arrière, on t'a foiré ta garde. C'est con la vie. Bon, alors. Regardons cet homme. Ah, je suis sûr que c'est Jean Questeau. Je suis trop fort. Il n'a pas changé de coupe de cheveux en 7 ans. Coup net. Intéressant, mais que faisait-il? Voyons voir un petit peu le corps. Bon, premier détail, magnifique couteau, hein, le type couteau. Alors, ah non, c'est même pas un couteau, c'est une dague. Ça ressemble vachement à une dague. Ah, tu m'étonnes, ça doit être un truc cher. Oui, évidemment. Oh bah, un motif en forme de pap... Mais... Quel hasard! Oh là là! Un motif en forme de papillon. Ah, voyons voir la plaie. Très bien. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a de l'eau. Non mais... Non, mais là, là, il y a... Ah bah non, bah c'est de l'eau, d'accord. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est? Y'a un truc dans la poche. Ah! Oui? Genre tout à fait? Genre oui? Sa maman la quête.
Oui, exact. Ah bah, exactement. Oh. Eh bien, au moins, il s'en souvient. Il s'en souvient. Et ça, c'est beau. Mais. Oui, c'est ça. Non, c'était il y a 7 ans, je pense. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ah bah oui. Oui. Mais comme d'habitude. Ah, c'est clair. Oh, trois petits points. Ah, zoom, 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 zoom. Ah, c'est quoi ça? Oh, il y a un boutal. Un couteau. Oh, là, 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 incroyable, c'était un coutal. Depuis le début. Alors par contre. Alors par contre. Exactement. Mais plus intriguant encore. C'est bien, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas. On s'en fout. On s'en bat les couilles, en fait. Oui, mais surtout, il y a le symbole d'une fleur. Et oui. Oui, c'est pas mal. Oui, on va lui demander. J'ai pas fini d'examiner. Tu le mets sur un post-it. Bon. C'est tout. Je pense que c'est tout. C'est quand même balou ce qui se passe. En tout cas, c'est une magnifique statue qui est ici. J'admire. Ah. Comment ça? Non, tu penses? Tu penses que c'est le samouraï là? Non. Il est très beau ce papillon. Non, non. Tu pouvais te taire sur ce point, mais tu ne l'as pas fait. Quel dommage. Le jeu dit comme je veux. Là, c'est une magnifique veste. C'est des couteaux. Des couteaux de cuisine. Oui, c'est problématique. Oui. Waouh. Des couteaux. Ah, mais il y a quelque chose. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est très, très intéressant ce que tu viens de me dire. Ouais.
Non. C'est fou comme j'en ai rien à faire de ta vie. Bon. Oh, mais je n'ai pas vu ce coffre-fort. Type coffre-fort. Oh, il faut une clé. Merde. Bon, allons parler de notre chère Francisca parce que je peux pas faire grand chose. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me gueuler dessus. Oui, je suis ton subalterne. Là. Je vais faire un effort, même si tu es plus jeune que moi. Là, t'aurais mieux fait de terre. Là, mon grand, t'aurais mieux fait de terre. Oh là là. Oh. Ah bah, moi aussi, mais. Sans doute pour moult informations intéressantes. Bon, le meurtre. Ah, je le savais. Oh, tout de suite, on n'a pas eu d'incendie, donc du coup, tout va bien. Ah, ce charge en langue. Oui, on s'est quitté en... terme mitigé. Tu es tardé, donc le Yat égalise. Mais tu te fous. T'as déjà tout oublié, c'est vrai que t'étais mineur à l'époque. Et ouais. Et oui, je me souviens que t'étais mineur. T'avais un putain de... comment ça s'appelle? De faux miniature. De cravache. Une cravache à l'époque. Oui. Mais bon, a priori, tu t'en fous, donc du coup... voilà. Ah, c'est vrai que c'est moins chiant en fait de savoir qui a tué plutôt que mais où est donc passé tel objet. Ah oui, évidemment tu ne sers à rien. Mais logique entre en scène. Ah, j'ai moult informations. Il y a un papillon gravé sur la manche de l'arme de crime qui ressemble étrangement, ça alors, au papillon de Babel. Sont des indices connectés. Ce serait incroyable. Oh bah ça alors. Oh. Oh c'est fou. Oh c'est fou. C'est quoi la propriété de la République de... oh bah incroyable. Mais plus inquiétant encore. Le plus sombre secret de l'ambassade, cela a-t-il un lien avec le retour de Francesca? Oh. Je joue ma vie sur cette révélation et cette conclusion. Mais si c'est ça, ça expliquerait moult de choses. Oui. Oui, par hasard. Hein. Tu es toujours sur des sombres trucs plus importants que les miens, hein. Non, mais c'est incroyable! Oh, c'est fou, on apprend les choses. Du coup, je vais te réinterroger pour apprendre moult informations à ce sujet. Et oui, parce que c'est super important. Ah. Alors, par contre, si vous entendez du bruit à l'extérieur, c'est parce que j'ai une fenêtre ouverte. Il fait chaud en ce moment. Nous sommes à peine début juin.
et le soleil revient. Sérieusement? Ah bah évidemment, la comptabilité en général. Ah bon? Waouh, mais comment le sais-tu? J'aurais aimé le savoir. Je vais récupérer une copie de ce document. On ne sait jamais. Bon. Alors par contre, monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est problématique pour ta vie, je pense. Et pour ton poste, sans doute. Est-ce que oui, peux-tu coopérer? Oh, attends, sérieux? Ah, t'es direct dans le suspect, je te dis tout de suite, toi. C'est un... Bien, alors qui était Jean Questou, hein? Parce que moi on m'a dit il y a des bails sombres sur cet homme. Il dirait j'ai tout. Un homme admirable. Alors, comment te dire que j'ai un petit doute. La compta a l'impression d'entretien. Ah oui, donc un homme calé sur les richesses du pays. Oui, on sait. Ah, carrément! Ah ouais! Ah, moi aussi. Ah, tu transpires un petit peu. Tu transpires un petit peu. Oui! Ah, c'est normal! Ah! Mais ça alors, je le savais, c'est incroyable. Ouais, oui, je me souviens. Et donc, peut-être que RIA a tué Jean Questou pour se venger. 10 plus 7, ça fait 17, donc quoi, il y a prescription. Oui, un avenir brillant, je ne sais pas, mais un avenir sans doute. Voilà, c'était pas une blague, mais bon, j'ai pas mieux. Ah tiens, on dirait un petit peu le... Dans certains pays, ah, il ne faut pas que les gens voient notre pauvritude. Pauvritude, oh le mot. Voilà. C'est vrai qu'il y a une façon de s'aimer dans ce monde. Oui, si tu veux. La colopie. Alors. Oh, je t'aime pas d'abord. Oh, tu me vois, je t'aime pas du tout, je te le dis. Eh ben. Voilà. Oui, c'est pas mal. Ouais, mets un couteau avec une fleur. Du coup, je me demande. Ouais, est-ce que tu comprends? Voilà. Attends, ferme ta gueule. Oui, c'est non. Bah, jusque là, en fait, c'est... c'est normal. Parce qu'en fait, je le savais déjà. Il s'est servi de la clé. Qu'est-ce que... Ouais. Oui, vraiment. Vraiment.
Oh, ne connais pas les détails. Oh là là là. Oui, jusqu'à ça se tient. Et si la logique opérait? Et si ce coffre verrouillé ne s'ouvrait qu'avec la clé? Ça expliquerait de 1 pourquoi j'encaisse tout là dans sa poche. Et pourquoi il l'a dans sa poche. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai pas d'autre idée. Mais oui. Oh là là, c'est peut-être ça. Et là, on va l'essayer. Et ça marche. Et dedans le coffre, il y avait. Il était censé y avoir quelque chose. Oui. Ah, regardons un peu mieux ce coffre. Il est totalement vide, mais à part un petit bout de papier. Oula, j'arrivais pas à le dire ce mot. Il est coincé, mais bien comme il faut. Ouais. Peut-être qu'il y a un double fond, connard. C'est deux compartiments. Je sais pas, c'est... Non, logique... Non, je sais pas, écoute. Commun. Non, merci, Francisca, de me rejoindre la source. Alors, ma chère Francisca, tu es aveugle. Je suis déçu. Tu aurais pu me prouver là-dessus, sur un truc simple, que tu avais de l'intuition et une bonne vue. Mais je suis déçu. Alors attends, ne bouge. Voilà, ne bouge pas. Regarde. Oh, regarde là. Qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, elle est où ma clé? Elle est où ma clé? Elle est là ma clé. Voilà, elle est là ma clé. Ah. Ouais. Ça pourrait être. Ça pourrait. Mais c'est un petit peu débile. C'est un peu débile, hein? Et oui. Ah bah, est-ce que tu vois que je me fous de ta gueule? Parce que c'est le cas actuellement. Waouh. Putain, entre il y a 7 ans et maintenant, t'as toujours un esprit étriqué. J'en peux plus, moi. Oh là, heureusement que ton père est mort. Enfin, je crois qu'il est mort. J'espère qu'il est mort. Oh là là. Heureusement que je suis ton second dans cette affaire, sinon... Oh là là. C'est quoi? Ouh. Oh bah! Putain, c'est incroyable! C'est fou ça! La clé, en fait, c'était la lame. Waouh! Putain, mais c'est ouf! Et incroyable! Oh là 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 là. Et c'est bizarre, ça ressemble vachement à la forme de la serrure. C'est une double clé en fait. Mais c'est ridicule, mais ingénieux, tu en conviendras.
Mais en fait, c'était un piège. C'était un twist. Et oui. Ah ben... Ah, peut-être. Oh, le pauvre gars. Bon, là, je te plains. Ne casse pas le couteau, ne casse pas le couteau, ne casse pas le... Ah, mon Dieu, moult choses, alors. Une pièce, des statues, des trucs et une assiette. Ouais. Oui. Non. C'est fou. Bon, alors, maintenant, est-ce que on peut parler? Enfin, est-ce que je peux examiner ce truc qui ressemble à... Non, d'accord, je peux pas examiner. Moult merde. C'est une impression de surfer. Par contre, il y a un papier. Oh mon Dieu, c'était les autres feuilles. Peut-être que si je mets les deux feuilles qui sont là avec l'autre feuille que ma chère collègue possède, peut-être qu'il va se passer un truc. Je sais pas, genre on va avoir un document complet. Parce que c'est un petit peu numéroté. Vous êtes un petit peu cons les mecs. Oui, c'est incroyable. Tu me diras, on sait compter jusqu'à 3. Oh mon Dieu, c'est une suite logique. C'est incroyable ce qui se passe. Je comprends pas la langue par contre. Voilà, c'est bien. Ah bon? Waouh! De l'encre. De l'encre. C'est de l'encre. En fait, c'est... Qu'est-ce qui se passe avec cette encre? Genre... C'est de l'encre? Oui. Je comprends pas. Ah, je comprends pas. Ah, c'est frustrant. Oh là là. Oh, c'est dommage. Tu pourras pas le fouetter à mort tel... Bah, tel toi, en fait. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Pour lui. Enfin, pour toi, surtout. Pour lui, c'est un soulagement. Oui. Wow, c'était une enquête rudement menée. J'avoue, je suis au bout de ma vie. Alors, non. Alors justement, si je peux me permettre... Je pointe du doigt, qu'est-ce que tu vas faire? Attention, je peux pointer mes deux doigts. Je peux même faire des symboles avec mes doigts. Comme un doigt d'honneur. Tu as des yeux typiques de ton pays, je pense. Oui. Entre autres. Alors, si tu te bases juste sur le fait qu'elle proclame être le Yatagarasu, c'est un petit peu faible. C'est... oui, alors c'est... oui, mais c'est pas une raison.
Ça n'a pas d'importance, évidemment. Waouh. Des déductions. Incroyable. Eh ben écoute, ça va être difficile. T'as un couteau, un truc pour m'ouvrir? Alors, ben, police, oui. On sait. Oui, on sait. Voilà, donc. Ta gueule. Cordialement. Jusque là, ça se tient. Peux-tu le rajouter dans ton témoignage? Parce que je vois que. Non. Genre non. Ouais, bien sûr. Et donc, moi j'ai une question. Comment t'expliques que la même clé, hein, cette clé ici, se trouvait encore dans la poche de Jean Questou? Objection. Objection. T'es. Non, t'as pas mieux peut-être. C'est parce qu'on vient de le faire il y a à peu près 10 minutes. On va te le montrer, le démontrer même. Que... Non, non. Bon, je vais pas t'en mettre plein la gueule parce que t'as fait une erreur, t'as pas écouté. Mais genre pas du tout. Ah, tu transpires un petit peu, fais attention. Tu transpires un petit peu, fais attention. Ça, je pense que ton maquillage waterproof est en train de couler. J'ai rien compris. Bah oui, évidemment. Alors. Elle avait des gants. Elle avait des gants. Attention. Je peux. Ah, c'est problématique. Oui. C'est problématique. Oui. C'est pareil, Kota, ça correspond à la même de ce couteau. Le couteau avec ce manche, hein, le pion, c'est l'un des futurs. Ouais, ça l'est. L'un de ce couteau dans la vitrine. Ce couteau appartient à un hospice et d'autres pièces, je sais. Les preuves et témoignages sont des initiatives, il n'y a aucun contre-argument. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais, je peux encore le dire une quatrième fois, mais ça va être chiant. Oui, tu avais un petit push, un manteau noir, tout ça, et blablabla. On sait, je m'en souviens. Tu es chante. Tu deviens énervante. Il va faire ton noir. Mais là, à la lumière fonctionne alors que le bâtiment était incendié, en flammes. Et là, paf, elle était derrière moi. Mais dis donc, mais que faisais-tu dans cette ambassade précisément à côté de la pièce où j'ai entendu le cri? Ouais, c'était un couteau, évidemment. Peut-être parce qu'elle avait des gants. Ce qui t'implique encore plus. Wow! Attention à ce que tu dis! C'est bon, je sais. T'inquiète pas, le scénario est de mon côté.
Ah mais ne t'en fais pas, on va y arriver. Car c'est mon rêve, mon droit d'y croire. Et surtout mon droit d'y croire en fait. Ouais. Alors. Laissez-moi examiner ce cotal. Ouah, la 3D, regardez, c'est incroyable. La 3D dans le jeu vidéo. Je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis tant d'années. Ah, c'est effectivement un papillon. Oui, mais ceci est une preuve extrêmement importante. Objection. Car ce couteau peut changer de lame. Et ça, je tiens à vous le dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut interchanger les lames. Regarde. Grâce à ce bouton, ça fait clic. Et aussi parce qu'il n'y en a pas sur le manche, alors que la projection de sang aurait dû en mettre un petit peu sur le manche. C'est des termes techniques, je pense que vous ne comprenez pas. Oui. Non. Enfin, oui et non. Enfin, à moitié. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, écoute. Regarde, on va intervertir, regarde. Oh, c'est fou. Voilà, la technologie en action. Ah, tu étais mieux décoiffé. Je tiens à le dire, parce que là, le coupable, non. Du coup, je retiens le manche, qui n'a aucune preuve, enfin, qui n'a pas de trace. Comment ça? Oh, elle a dit ce que je pensais être. Bien sûr, elle se promène avec 14 paires de manches de couteau. T'as tout à fait raison. Précisément le même modèle que celui qui était que celui-là. Donc tu es étriqué d'esprit aussi. T'es vraiment. Wow. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué en fait de parler avec toi. Ah, j'en ai marre de toi. Je tiens à dire que j'en ai marre. Regarde bien. On va faire un truc incroyable. On va zoomer. Et si on regarde juste là. Mais qu'est-ce que c'est long? Mais c'est pas une marque en forme de fleur. Mais c'est un hasard. Grosse conne. Celui-là est une croix du cœur. Grosse conne. Très très grosse conne. Je te dis que t'étais une grosse conne? Oui. Bon, alors. Comment te dire de manière simple? Regarde bien. Ouais, est-ce que tu l'as bien vu? Je crois que tu l'as pas bien vu. Donc du coup, je vais gentiment hausser la voix envers ta personne. Voilà. Et te gueuler dessus. Pardon, attends, excuse-moi. Prends ça! Totalement. Genre... totalement. Tu vois? C'est bon, c'est monté au cerveau. C'est monté au cerveau. Merci. Alors, voilà. Le papillon. Mais la lame vient de Alebast. Voilà, tu. Oh, elle comprend.
moi, elle comprend, elle est forte. Oh, et c'est fou ce qui se passe en fait. T'as fini ou comment ça se passe? Ah, c'est... Je suis un génie, mais en même temps, elle est trop conne. Oui. Très bien. Merci pour vos acclamations, je... J'aurais attendu un peu mieux. Oui. C'est pourquoi? Oui. Eh ben... Ah, c'est ça ta question. J'en sais rien. Ouais. Waouh, tu t'es vachement remis de ta fausse inculpation. Non. Mais bon, c'était trop gros. Oui, tu as quelque chose à dire. Oh, elle recommence. Au secours. Ah, elle a pas tort. En même temps, pourquoi tu le cries sur tous les toits, écoute. Oh, tout de suite des soupçons, bien sûr, elle a toujours un briquet ou des allumettes et de l'essence sur elle. Elle maintient. Et ça, quelque part, c'est beau. Elle le dit avec un grand sourire. Ah mon dieu, elle sourit. Elle a un peu peur. Elle a pas tort. C'est pas la peine de fouetter dans le vide. Je sais plus. Oh, j'en ai marre de vous deux. Oh, wow, c'était la fin. Enfin, c'est la fin. Alors, je pose la molette. Voilà. Alors, que dire sur ce début de premier épisode incroyable? Eh ben, ça a l'air d'être comme tout, c'est-à-dire, oh mon dieu, cette affaire va revenir à les quatre précédentes, on va enfin savoir tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc là, pour un moment, on a fait j'encaisse tout sur la dernière affaire qui s'est déroulée il y a 5 ans. On a eu droit à un petit ellipse sur ce qui s'est passé à l'épisode 2 et à l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. J'attends qu'on me fasse une révélation sur l'épisode 3. Bah dans l'aéroport, bah non, en fait on l'a déjà fait, que Francisca elle est là, donc ça y est, en une heure, paf, ça y est, t'as réuni toutes les affaires, débrouille-toi avec ça. J'attends cependant à ce que la fin, oui parce que j'ai des attentions, des attentes, je m'attends à ce que la fin soit quand même un peu capillotractée, ou bien compliquée, mais je trouve que ça va. Je trouve que ça va, qu'il se passe des choses. On va retrouver notre cher ami de langue, évidemment. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est cool. Voilà. Et bah, je pense que c'est une bonne chose. J'espère en tout cas que cette première partie sur l'épisode 5, l'épisode final, sûrement, de ma série de joueurs vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, si c'est le cas. À la partager, même si bon, partager du message world, il faut le vivre. Donc, jouer au jeu plutôt, c'est mieux. De laisser un commentaire, ça pourrait être bien. De vous abonner pour ne pas rater la suite. Et si le contenu vous plaît, de la chaîne, si le contenu de la chaîne vous plaît,
Là, monsieur, sur Twitter, où je suis très très présent. Et bien sûr, si vous le voulez, il y a un Discord dans la description pour rejoindre. C'est super bien. Parfait. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.